Lampes, miroirs, horloges, Julie Audureau a l'art de transformer de vieux objets du quotidien en créations originales, des objets parfois destinés à la poubelle. Elle leur donne une seconde vie. Bonjour Julie. Bonjour Grégoire. Alors toi, tu es une spécialiste de l'upcycling. Est-ce c'est que ça. Tu peux nous dire ce que c'est? Alors c'est un procédé qui consiste à redonner vie à des objets en fait en les mettant en valeur. Et c'est ce que tu fais depuis 3 ans, on est tout près de ton atelier, hein, c'est là où tu as ton showroom, on va découvrir dans un instant ces objets que tu chines un peu partout et que tu transformes, tu leur donnes effectivement une seconde vie alors que parfois ils pourraient aller à la poubelle. C'est exactement ça, ils sont vraiment souvent, pour la plupart, voués à être oubliés, à être mis au rebut et voilà, l'idée c'est de les faire revivre à nouveau. C'est une vraie passion hein, pour toi depuis quelques années. C'est ça, c'est vraiment une passion comme tu dis. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui me motive à me lever tous les jours avec plaisir. On va découvrir ça ? On y va. C'est parti. On va mettre le masque. Bienvenue. Selon la coutume de l'époque. C'est ça. Nous sommes fin novembre. Julie, on Bienvenue, est, dans, on Grégoire, est dans ton univers. Dans mon univers. Donc voilà où je te présente l'ensemble de mes créations. Donc tu vas pouvoir retrouver toute une sélection de luminaires, de lampes à poser, donc avec plein d'objets très différents, d'appliques aussi. Je travaille également avec des horloges en formica que je vais réparer et réhabiller de papier peint. Tu trouveras aussi, tu vois, toute une gamme ici de raquettes, d'anciennes raquettes en bois que j'ai transformé en miroir. Il fallait y penser. Tu en avais déjà vu comme ça. Comment tu as eu cette idée? Alors, c'est vrai qu'après, je ne sais même pas vraiment d'où ça vient. Tout ça, quelquefois, je dis qu'on est plusieurs dans ma tête. Mais voilà. Non, après, c'est vrai que c'est la forme des choses, en fait, m'inspire des créations. Mmh. Voilà. Et quand tu te retrouves face à un objet dont tu te dis il y a quelque chose à faire, bah, il te faut, j'imagine, aussi un véritable coup de cœur pour celui-ci. Hein. C'est ça, un coup de cœur, que ce soit sur la forme, que ce soit sur la couleur, le matériau. C'est vrai que moi, j'affectionne particulièrement, tu vois, par exemple, tous les objets qui sont en bakélite. Donc, par exemple, comme ce téléphone que tu as ici. C'est une matière, en fait, que je trouve géniale parce que c'est vrai qu'elle passe très, très bien les années. Elle va pas du tout se détériorer à la lumière, par exemple, comme certains plastiques aujourd'hui. Voilà, c'est un matériau qui est très résistant, très durable dans le temps et qui a un toucher exceptionnel. Voilà, très très doux. Alors, ce téléphone, par exemple, quand tu le vois pour la première fois, il a un petit cadran au milieu. Alors, celui-ci, il n'avait pas de cadran. Figure-toi qu'il s'était. Alors, c'est vrai que ça dépend des appareils, mais celui-ci, par exemple, il servait vraiment à recevoir des appels et non à en émettre. Il est très ancien, alors. Il est très ancien, on est dans les années 40, là. D'accord. Et là, tu te dis tout de suite, quand tu le vois, j'ai la possibilité d'y mettre une ampoule. C'est ça, d'intégrer. Alors, parfois, c'est un peu des. C'est un peu des essais aussi parce que je ne sais pas vraiment comment c'est fait à l'intérieur, donc souvent c'est en démontant où je me dis j'avais cette idée au départ et puis en fait ça se transforme en autre chose, c'est possible aussi ça, mais puis après j'aime bien en fait apporter un peu une touche d'humour dans mes créations. Voilà, j'aime bien quand on voit mes créations et qu'on a le sourire en se disant voilà, c'est original, ça sort de l'ordinaire, c'est vraiment l'idée. Ouais, avec une petite touche sympa. D'ailleurs, tes ampoules sont aussi originales. Elles sont là pour apporter un petit point lumineux, sans pour autant éclairer toute une pièce, mais elles sont stylées. Hein. Oui, elles sont stylées, elles sont agréables, elles sont chaleureuses. Et c'est vrai que voilà, moi, je trouve c'est important chez soi de se sentir bien, de se sentir un côté un peu cocon. Voilà. Thank you.
Vous l'avez compris, Julie a l'art de récupérer des vieux objets du quotidien et de les transformer en création artistique, on peut le dire, en véritable création, même originale. C'est un travail de créatrice, un travail d'artiste, hein, finalement, ce que tu fais. Oui, alors c'est vrai que même si moi, j'ai tendance à plus me considérer comme une créatrice qu'une artiste, mais c'est vrai qu'il y a une partie artistique, effectivement, indéniablement. Quand on transforme des têtes à coiffer comme ça, vintage, encore une fois, en luminaire, il faut avoir l'idée pour le faire. Et là, c'est quelqu'un du coin, je crois, qui t'a demandé de les transformer. Voilà, alors c'est quelqu'un qui a découvert une lampe de ce type-là que j'avais réalisée à Bretignolles-sur-Mer cet été. Et puis qui m'a contactée entre-temps pour me dire qu'elle avait adoré. Est-ce que j'en avais d'autres? Est-ce que je pouvais lui en fournir une autre? Donc j'en avais plus. Donc l'idée, c'était de partir à la recherche de casques pour cette personne-là. Voilà, et donc là, elles sont arrivées à l'atelier. Et puis maintenant, ça va être parti pour la transformation. Voilà, et puis en transformation, tu as aussi ce vieux téléphone sur lequel tu vas travailler. Tu vas faire quoi précisément sur celui-là? Alors là, je vais complètement le démonter et puis ensuite le vider de ses composants et puis après le transformer pour pouvoir, le modifier pour pouvoir le transformer en lampe à poser. Transformer des objets, tu y avais déjà un peu goûté beaucoup plus jeune, mais en fait, ton univers professionnel t'a emmené dans des fonctions très différentes. Et c'est seulement il y a 3 ans que tu t'investis avec passion dans ces transformations de création. Tu as trouvé ta voie, en fait. C'est exactement ça. C'est vrai que là, je me sens vraiment à ma place et je prends beaucoup de plaisir tous les jours à travailler les objets et puis à essayer d'apporter une décoration différente, en fait. Julie, depuis à peu près 3 ans, tu as donné une seconde vie à peu près 1000 objets. Alors, il y en a beaucoup qu'on ne va pas pouvoir voir, mais tu les as photographiés. Ils sont sur ce catalogue. Ils ont trouvé preneur. Et là encore, beaucoup d'originalité. On retrouve les fameuses lampes. Alors, en le feuilletant tout à l'heure, j'en ai découvert un qui m'a bien fait rigoler. C'est ce tabouret pèse personne. C'est ça, tabouret balance, effectivement. Et ça, ça a cartonné, je crois. Ça, c'est vrai que ça a déclenché beaucoup de réactions diverses et variées. Il y a plusieurs techniques d'approche sur ce tabouret. Soit on assume complètement ses kilos ou alors on triche un peu. Voilà. Alors, on peut s'asseoir du bon côté pour voir à quel poids on fait. C'est ça, califourchon. On peut s'asseoir un petit peu devant, comme ça enlève quelques kilos, ou complètement dessus pour tout cacher. Voilà. Alors, vous aussi, vous pouvez venir avec vos vieux objets si vous souhaitez qu'ils soient détournés par Julie. Les gens viennent ici à Longeville-sur-Mer carrément avec leurs objets. Puis tu vois avec eux comment toi, tu peux les détourner? Complètement. On en parle ensemble avec l'objet devant eux. Voilà, voir ce qu'il est possible de faire. Donc après, il y a cette possibilité-là. Il y a aussi la possibilité de m'envoyer des photos si on est trop loin avec les dimensions de l'objet. Ensuite, moi, je réalise un chiffrage, un devis. Voilà, pour valider les choses. Et puis après, tout au long de la transformation, donc je vais envoyer des photos du démontage, de la mise en forme du projet. Et puis après, du coup, soit les personnes viennent chercher leur objet ici, ou alors après, je peux l'envoyer également. L'un des derniers objets qu'on t'a apporté, c'était cette vieille radio, ce vieux transistor. Ce vieux poste, effectivement, donc qui appartenait en fait aux parents de Florence et qui souhaite aujourd'hui du coup l'offrir à sa fille. Voilà, détourné. Thank you.
Alors Julie, tu te vois bien, toi, dans l'avenir, continuer à créer de plus en plus et peut-être de façon un peu différente, rajouter la soudure et puis avoir des objets peut-être un peu plus grands et différents aussi. C'est ça, j'aimerais bien effectivement apprendre de nouvelles choses et puis travailler, pourquoi pas, des lampes sur pied, travailler plus les suspensions également. C'est vrai que le fait d'avoir le lieu ici va pouvoir me permettre tout ça. Tu as une galerie sur Internet, c'est-à-dire que tous les objets que crée Julie, on peut les voir en ligne sur un site Internet. C'est ça, sur un site, en fait, c'est une plateforme en ligne qui s'appelle Unique Marketplace. D'accord. Du coup, voilà, vous tapez Julie Auduro et puis vous retrouvez effectivement tous mes produits en ligne. Et on peut même les commander, je crois. On peut les commander et puis après, on peut se faire livrer, soit par la poste, par Mondial Relais, voilà, on choisit. Voilà, c'est tout simple, en fait. Très bien, c'est ça. En tout cas, bravo de sublimer tous ces vieux objets de notre quotidien en création originale. Bravo pour ce côté artistique. Ça nous a vraiment plu de te rencontrer. Et puis, on se dit à une prochaine fois, peut-être. À bientôt, Grégoire. Merci beaucoup. À bientôt. Et puis, quant à nous, à une prochaine fois aussi pour un autre numéro de Chemin de Traverse.